Salut tout le monde, ici Stéphane Moi du 83 et regardez l'ambiance au Celtic pour ce match de Ligue des Champions. Oh, le match très très important. Et c'est pas à Saint-Etienne, je vous avais dit que le Celtic il portait beaucoup les couleurs vertes. Ce n'est pas à Saint-Etienne, c'est le match retour donc. Au Celtic, regardez cette ambiance tout simplement incroyable au Celtic. Un accueil énorme pour les deux équipes. Je pense surtout pour le Celtic, pour leurs supporters. Et il va falloir se moquer. Non, justement, se méfier de ce Griffiths qu'a but lors de ses trois derniers matchs. Griffiths. Extrêmement concentré, on voit. Regardez, c'est incroyable. Oh, il s'annonce énorme. Oh, il s'annonce énorme. Je crois que si on perd, on est éliminé en plus. Hein. Si, non, si on perd et que Dortmund gagne, ça risque d'être très compliqué. Va falloir aller gagner chez nous contre Dortmund dans une ambiance de dingue. Voilà. Bien. Griffiths. Qui te dit penalty, lui a fait un coup d'épaule. Comme ça de ma vie, quoi. Bien. Ah putain, le vicieux. Ouah, c'est de la folie, leur virage, hein. Allez, à moi. Ah, c'est pas possible. Attention. Oh là là. Oh là. Avec Armstrong, Izagir, Boruter. Oh, j'aime bien ce joueur. Attention, mais c'est pas possible d'être aussi. Oh, ils ont quoi cette équipe, quoi? Putain, mais oh, mais ça me gave, mais ça me gave! Tu gagnes 5-0 à Paris, et tu perds 2-0 après 20 minutes au Celtic, c'est quoi ça? Oh! Allez! Bien joué, Boyan. Voilà, regarde, ils sont contents, eux, en plus, ça le pire. Ils sont contents. En plus, c'est les supporters du Celtic, je crois. Et ouais, c'est les supporters du Celtic. Ils sont contents. Et moi, je suis. C'est pas des supporters, ça. Hein. Oh putain, ils sont où les supporters de Saint-Etienne? En fait, ils nous ont fait. Eux, ils nous ont interdit de déplacement, j'en suis sûr. C'est ça? Bien. Mais vas-y. C'est pas grave, allez. Allez, pas chaud. Tiens. Pas chaud. Dommage, c'est pas grave. C'est bien, pas chaud. Ah putain, non, le vicieux, il passe la balle au dernier moment pour exprès que mon tacle soit sur lui. Et pas sur le ballon.
Bien, Pajot. Voilà, Pajot. Ça, c'est pas le même Pajot que la fin du match au match aller. Hein. Oh, la belle passe. Oh, à chaque fois, il me fait la même. Il tacle juste avant pour qu'après, je la retouche. La balle. C'est bon. Truc de dingue, ça. Bien. Bien. Voilà. Oh, pourtant, il avait attendu pour dégager. J'aurais peut-être pu gratter, la prendre, là, je sais pas. Ah, c'est bon, il va remettre le jeu. Pour la faute de tout à l'heure. Mais j'ai pas demandé la claire. À moi? Mais c'est pas possible de trouver. Oh, faut regarder, il y a combien Dortmund Arsenal? Arsenal, il mène à Dortmund! Waouh. Ouh là, c'est chaud là. Cette poule, elle est énorme. En fait, je fais pas de changement. Cette poule, elle est serrée en fait. Hein. Surtout si Arsenal, il va gagner à Dortmund. Ouh là! Ça relance tout si Arsenal, il va gagner à Dortmund. En fait, je crois que je suis dernier. Je serais peut-être même prendre Europa League. Mais tout va jouer dans la dernière journée. Je crois que Guichard contre Dortmund. Oh, ça va être une ambiance de dingue, je crois. À moi. Et il obtient la touche. Avec l'air. Pajot, bien, avec Amouma. Amouma, allez, faut s'arracher, là, c'est la Ligue des Champions, mince. Faut la lâcher, les gars. Putain. Première fois depuis si longtemps. Allez, à son écoteau. Bien. Bien, allez. Je leur dis bien, même à eux, quand ils loupent une passe. Aïe, aïe, là, c'est bien joué, ça, par contre. Oula, bien. Non, je lag. Ça, par contre, c'est bien. Voilà. Mais à un moment, arrête de tourner. On croit que t'as pas la vie, franchement. Franchement, face à Arsenal, la première journée à l'Emirates, c'était pas du tout la même chose. C'était tout le contraire, même. À nous. Bien arbitré. Bien. Allez, au pressing les gars, c'est un, on perd 2-1, on les gagne pas, on donne pas 2-1. Ah, mais eux aussi là, putain. Voilà. À l'arrache, si on peut égaliser, on va égaliser à l'arrache. Voilà. Oh. Oh. Ouais, mais l'autre il y va les deux pieds en avant. L'autre il y va, il tacle par le côté. Même s'il touche pas le joueur, il y a quand même le geste. C'est-à-dire, ça aurait pu être dangereux et l'arbitre siffle pas. Juste à ça siffle quand même. Hein. Mais. What? What is this? Ouais, mais Pajot, qu'est-ce que tu tentes? Qu'est-ce que tu tentes? Je te demande juste de revenir en arrière tranquille, mais qu'est-ce qu'il siffle lui aussi? En plus, c'est lui là, son pénalty à la deuxième minute, c'est ça qui nous plombe. Hein. Putain, franchement, le mec il lui met un coup d'épaule, il n'y a rien du tout. Normalement, il devrait y avoir 1-1 là, et c'est qui devrait pousser pour marquer le deuxième but. Et là, c'est nous qui poussons pour égaliser. Blague ou quoi? Allez, Aubameyang. Oh là là, allez, 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 la touche.
5 minutes. Asoué Koto. Suyi. Suyi. Aïe 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 aïe. Pourquoi vous cherchez la complication? Mais c'est mort. Putain de merde. Tout ça à cause d'un penalty là. Vas-y. Ils sont huitièmes, ils sont contents là. Bon bah je vais vous dire le résultat de Dortmund qui a perdu donc. Donc sur ce, salut tout le monde et à la prochaine.